Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voici au vendredi. Une vie fondée sur l'amour. Lisons 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, le verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Les paroles de Pierre dans 1 et 2 Pierre montrent l'ardent désir de l'apôtre de s'occuper de la jeune Église, afin que ses membres comprennent comment mener une vie sainte. Ses écrits foisonnent l'instruction utile depuis les relations des esclaves jusqu'au faux docteur. Mais le cœur du message de Pierre est un appel à mener une vie sainte basée sur la grâce que Dieu a étendue jusqu'à nous par la mort de son Fils. Une vie sainte ne veut pas dire que l'on se focalise sur soi. C'est avant tout un appel à nous aimer profondément les uns les autres et à garder notre cœur de ce qui pourrait nous amener à nous focaliser sur nous-mêmes plutôt que sur nos semblables. Coffre aux idées. Faites une liste des choses qui méritent votre reconnaissance et affichez-la en un endroit bien visible, tel que sur le miroir de la salle de bain. Peignez ce à quoi un cœur pur ressemble. Par quelle couleur et quelle forme représenter le désintéressement? Montrez votre tableau à un ami et expliquez-lui ce qu'il signifie pour vous. Faites une liste de vos requêtes de prière en faveur des autres. Affichez-la sur votre réfrigérateur ou encore achetez un petit tableau blanc où vous inscrirez les noms et les situations de personnes qui ont besoin de vos prières. Gardez votre esprit en mémorisant ou en écrivant des versets bibliques chaque jour. Prenez une section des Écritures que vous aimez, telles que Colossiens 3, les versets 1 à 17 ou Psaume 46. Mémorisez deux versets par semaine jusqu'à ce que vous ayez mémorisé la totalité du passage choisi. Faites un acte d'amour au moins une fois par jour. Révisez votre liste de prières, voire plus haut. Et décidez de faire, en plus de prier, quelque chose qui soutiendra un individu particulier de votre liste. Il peut s'agir d'un coup de fil, d'une carte, du don de plats cuisinés ou de votre temps. Consacrez votre journée au Saint-Esprit. Soyez à l'affût de toutes les occasions qu'il vous présente pour mener une vie d'amour et de service. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les paraboles de Jésus, le chapitre intitulé « Semblable à du levain » écrit par Hélène G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Remue-ménage.